Hello, hello, hello. On va trader l'Open US. On va voir ce que ça va donner. Ça a l'air d'être sacrément acheteur. Pas mal de gains déjà faits depuis ce matin. Parce que ça n'a fait que monter. On a des imbalances là. Côté footprint, pas mal de volume qui rentre, un des imbalances à combler également. Ouais, ça a l'air de bien pousser là. On va rentrer ici. Toujours en scalp avec un stop assez loin quand même, parce que avec les US c'est toujours assez impressionnant les mèches là. C'est con de se prendre 50 ou 90 balles par une mèche, ça serait un peu bête. Donc soit j'attends les impulsions et je rentre, ou soit dans le flux, ou soit je suis contre à rien sur quelques ticks. Là on voit bien que ça pousse, des beaux volumes. Au-dessus de 12 400, ouais, sur la zone des 12 400, vraiment une zone intéressante à travailler. Alors, récupération. Donc là, on a. Je vais vous mettre une petite bulle au-dessus. Voilà, on a un blocage de prix ici. Copier, coller. Et on a ici un bas qui a été travaillé. Donc voilà, on va essayer de. Si ça casse pas plus haut, on va voir si. Si éventuellement. On peut trader dans cette zone là, sinon on ira un peu plus haut après, on verra. Ouais, ça pousse pas mal hein. Ça pousse pas mal. Je vais enlever les bulles, ça sert à rien ça. Alors, les imbalances vont être comblées. On va attendre qu'il y ait un petit retour avant de reprendre position. On va essayer d'éviter de rentrer dans ce genre de trade impulsif comme ça. Pour avoir ici un retour, ça peut être intéressant de shorter. Ouais, là c'est pas mal. Voilà, c'est fait. Toujours quelques tics à prendre. Pas plus. On va essayer de rester ensemble pendant 30 minutes. On va voir. Toujours voilà, la main sur le stop. Hein. Sur le bouton stop. Si on doit cracher un ordre. Bon, ce qui est le plus compliqué à l'ouverture, c'est la première demi-heure. Beaucoup d'opportunités, mais par contre très 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 dangereux. Pas mal de mèches avec le Nasdaq, ça part dans tous les sens. Mais c'est quand même assez acheteur quand même. Aujourd'hui, c'est très 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 acheteur. Vous ne soyez pas étonné si je fais quelques coupures, j'ai un peu mal à la gorge de temps en temps. Je tousse. Donc je pense que je vais éditer ces moments-là, qui ne sont pas forcément agréables à l'oreille. Alors, 12 430 ici pour le plus bas, 12 350.
une imbalance qui est encore à combler ici. Et après, on attaque la résistance en 30 minutes que j'avais tracée sur les 12 450. C'est un palier important comme les 12 500. Ici, attention au stop. Donc c'est pas très bien de reculer son stop, hein, mais je préfère être garantir une sécurité un peu plus grande, parce que je peux le crasher, hein, directement. Alors, il y a cette imbalance qu'il faut combler. Je sais pas s'il va y aller. Hein. S'il va pas. Ouais, si, peut-être. Ah, c'est vraiment acheteur. Donc, pas trop d'inquiétude à se faire. Je parle pas trop. Hein. Je suis assez concentré. Hein. Vous l'avez bien compris. Ah putain, il va me créer un drawdown là. Ouais, j'ai confiance au 12400 hein, qui supporte, hein, donc je peux laisser un peu de drawdown, c'est pas très grave. Il y a de la marge, j'ai de la marge. Hein, donc j'ai de la marge. On va essayer de récupérer ça au mieux. Donc là, c'est une position qui n'est pas facile parce que c'est pas parti dans mon sens. Il a fallu que je prenne un peu plus de risques ici pour alourdir la position. Mais par contre, j'ai 12400 qui me supporte, mais je préfère rester le bouton sur le stop. Si jamais ça casse réellement, ça casse les 12400. J'essaierai de sortir. J'aurais bouffé mes gains, mais... Ouais, on reste calme, on reste zen, on essaie de gérer au mieux, sans stress. Donc ça, c'est le genre de position qui est un peu longue, un peu trop longue. Il faut absolument qu'on repasse au-dessus du point d'entrée là. Quitte à perdre un peu sur le trade et de payer des frais, mais on va peut-être redescendre là, comme j'ai fait là le TP. Donc c'était bien de faire du gain le matin pour éventuellement voilà, éponger quelques mauvais trades qui pourraient avoir lieu. Voilà, ça c'est bien. Voilà. Allez, on va le reculer un tout petit peu, parce que je vois qu'il veut donner. Il veut donner, mais on est quand même à la limite de la rupture. On a pas mal de mèches sur ce niveau-là, donc là, si ça passe pas sur ce niveau-là, il va falloir prendre une décision. Voilà, vas-y, super. Génial. Voilà, 815. Donc là, en fait, on a vraiment cette envie de monter. Hein, on l'a vu toute la matinée. Donc, ça nous conforte un petit peu dans le choix de prendre une position et puis surtout de la tenir parce que là, on est au-dessus des 12400, qui est un niveau intéressant. Au niveau de l'ATM, vous voyez, je vais mettre 3 en profit, toujours sur un lot. Et j'essaie de hedger dès que je peux pour attraper un peu... la position, mais c'est pas à faire. Faut vraiment avoir un peu d'expérience. Je vais y arriver. Alors, de retour. On a quand même plein d'imbalances en bas à aller chercher, mais tant que ça casse pas les 12400,
On va jamais les fermer, hein, ces imbalances. Là, on aurait une zone intéressante entre les 12 450 et les 12 400. J'attends une impulsion, voilà. Voilà, je vais essayer de rentrer ici. Dès qu'il y a une bougie verte qui commence à partir dans l'autre sens sous l'appui des 12 400. Le bouton sur le stop pour crasher. Attention au stop. On va sortir là, c'est pas grave. Pas hésiter à crasher votre ordre. Hein. Même si vous perdez 200 balles. Ce serait bien de réussir à choper un trade un peu plus gros et de déplacer le TP pour faire une plus-value plus intéressante. C'est pas interdit. Hein. Là, c'est intéressant. Voilà, ça rentre tout seul. Vous voyez, on peut le refaire. Voilà, on a la confirmation de l'appui des 12 400 et hop, bougie verte. On attend que ça paye, on y va. Voilà. Et on rattrape ce qu'on a perdu à peu près tout à l'heure. On remonte tout doucement. Ok. Pas mal. Est-ce qu'il veut donner encore? Cet effet de pompe là sur la... Au bas, vous voyez, on a vraiment cet effet de pompe là sur la bougie. Donc, comme je le répète, il faut vraiment rentrer... au plus bas de la bougie, là, par exemple. Voilà. Il y a quand même vachement d'imbalance à les fermer. Hein. Tant qu'on est au-dessus de tout ça, c'est même pas la peine. Tant que les 12 400 vont tenir, c'est pas la peine. Voilà. Hop. Petit peu par petit peu. Donc j'ai tracé un petit rectangle qui va me permettre d'avoir un point d'appui si jamais on revient dessus. Tout à l'heure on a vu que ça a eu du mal sur ce niveau-là. Il n'y a pas assez de jus là. Il n'y a pas assez de jus pour rentrer. C'est beaucoup trop instable. Vous avez vu le moment où j'ai arrêté de trader et le moment où je vais reprendre, vous voyez, il y a quand même un laps de temps important pour la réflexion. Et on attend toujours les meilleurs setups hein, pour rentrer. On rentre pas n'importe comment. J'aurais dû le prendre là. J'aurais dû le prendre. Ouais. Allez, baisse un peu. Voilà. Là, c'est bien. Parce que, voilà, la bougie s'est rétractée. Et là, hop, on prend nos gains. Donc, on attend vraiment une rétractation de la bougie pour rentrer à nouveau. Voilà. Voilà, 760, c'est pas mal. Le sens du flux est pas super clair. Ok. Là, ça peut être pas mal. Voilà. Prendre juste quelques points. Voilà. Voilà, ça c'est très bien. Encore une fois. Faut pas que ça revienne par contre sur les 12 450. Ouais, il y a des contrats acheteurs. Hein. Contrat d'achat 39. Donc ça doit monter. Hein. Ah. Chier. En VG. Une seule fois pour l'instant.
Ça, c'est pareil, il faut savoir s'arrêter à un moment donné. Hein. Parce que là, si ça se trouve, je joue mes gains de la journée. Hein. On a eu une belle tentative, pourtant il y avait quand même des acheteurs en haut là. C'est pas parti. Ah, pas mal ça, IG encore. Il y a les trois contrats. Quitte à ouais, baisser le TP, mais pour essayer de sortir propre. En payant quelques frais forcément. Après, si ça, vraiment ça casse les l'eau de la boîte, ça va être compliqué pour moi là. Ça veut pas casser par le bas hein. Ça veut pas casser par le bas hein. C'est pas bon ça, c'est pas bon. Donc là j'ai fait les choses qu'il faut pas faire hein. J'ai deux fois j'ai baissé mon stop à la main, donc ça c'est à éviter. Ouais, là, je suis mal barré là. Là, si je m'en sors, c'est un gros coup de cul hein, parce que là, j'ai mal géré ma position là. C'est à quand même de tenir. Avez vu qu'on a le haut de la boîte qui tient là, depuis tout à l'heure. Allez, 4 lots. Ça devrait payer, ça devrait payer ça. Ça devrait payer les gars. Ça va le faire. Donc là, on a un vrai combat. Hein. Un vrai combat. Hein. Donc là, si je sors, bah, je paye des frais à mort. Sachant que j'ai edgé. Mais et côté acheteur, il n'y a pas beaucoup de contrats. Hein. Ça peut se retourner là. Ah, sur un niveau quand même qui à mon avis doit passer là la R1 si elle passe. Voilà. Allez, sors. Je vais baisser. Voilà. Problème que je ne chope pas trop. Ouais, ça va, là, je suis à l'équilibre. Aïe, 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 il y a une mèche. Ouais, je peux pas sortir non plus trop tôt. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est de la souffrance. Ok. J'aurais peut-être dû sortir tout à l'heure sur l'impulsion, mais j'ai pas eu le temps.
Allez. Allez, ouais. Voilà. Terminé. Ouh là là. On l'a sué. Donc, ça a l'air de vouloir monter. Donc, grosse bêtise tout à l'heure. Hein. J'ai trop edgé et j'ai baissé mon stop. Donc, j'ai eu de la chance parce que il y aurait eu des plus de vendeurs. C'était mort pour moi, là. Je perdais tous mes gains de la journée. J'ai eu un peu de chance. Il en faut de temps en temps. Je commence à avoir les yeux qui fatiguent un peu là, je vais pas tarder à arrêter. minutes avec les US, ça suffit. Hein. T'as les yeux explosés après. Après ça dépend si vous avez un beau trade qui passe. Et là, dans cette zone, dans une zone comme ça, c'est un peu compliqué à faire tout de suite du gain. Du gros gain si. Si on ne multiplie pas les lots, après ça risque de, bah ouais, de se faire une grosse perte. Et c'était intéressant de faire du gain ce matin pour pouvoir soit se faire liquider les gains de la journée, ou soit bah, performer. Pour l'instant ça va. Parfait. Parfait, parfait. Alors, bah, je crois que je vais arrêter là. Hein. Ouais, ça suffit pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt. Et soyez patients et prudents sur les US. Toujours pareil. Hein. Toujours un marché très scabreux. Et casse-gueule. Bonne fin de journée. Salut à tous. À bientôt.